Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va un peu mieux, j'ai encore ma gorge des fois qui me gratte, donc je tousse encore, mais autrement ça va. Bref, c'est pas la question dans cette vidéo. Alors là, comme vous pouvez voir, j'ai sorti 3 petits DP et un grand. C'est un 40 par 50, mais AliExpress, hein, donc c'est un 35 par 45, quoi. Voilà. Alors, je vais vous expliquer un peu le concept de cette vidéo. Alors, donc j'ai pour projet, comme je vous l'avais dit, de me lancer un défi. Nous sommes actuellement le 17 octobre, le dimanche 17 octobre. Et j'aimerais avoir pour défi de terminer pour début décembre plusieurs toiles. Mais du coup voilà, je me suis donné comme objectif de terminer du coup toutes ces toiles là, enfin tout ce que vous allez voir là pour début décembre. Éventuellement j'aimerais bien pour mi-novembre pour ensuite encore faire une autre toile en diamant rond, parce qu'en diamant carré je sais que je terminerai pas en 2 semaines, mais une diamant ronde je sais que j'en ai une petite. Donc éventuellement si je termine tout ça avant mi-novembre, me faire la petite, c'est une toute petite en 15 par 20 je crois, que j'ai encore en diamant rond. Voilà, faire ça avec une toile peut-être partielle. Alors, je pense qu'en 2 semaines c'est faisable. Voilà, donc ceci est le sujet de la vidéo. Donc je vais vous présenter les toiles que je vais devoir faire avant début décembre. Voilà, donc ça nous laisse à peu près 1 mois et 2 semaines à peu près. Je trouve que c'est plutôt... c'est faisable, voilà. Faut savoir que là j'ai 3 toiles en diamant rond. Et ici j'en ai une en diamant carré, voilà. Donc je sais que la diamant carré me prendra beaucoup plus de temps, donc voilà. On verra. Donc je vais vous présenter ces toiles-là. On va commencer par celle en diamant carré, comme ça je la mets de côté ensuite. Donc là, c'est une toile que j'avais achetée au tout début quand j'ai commencé le Javen Painting. C'est une toile donc du chat de chez Shire. Voilà. Je vais vous montrer une image. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, c'est le chat de chez Shire. Donc, que j'avais acheté sur... Ah, par contre, je crois que le nom n'existe plus. J'ai essayé de retrouver il n'y a pas longtemps. Le vendeur n'existe plus. Je voulais justement revoir... repasser des commandes dessus ou quoi. Mais non, il n'existe plus. Il y avait celui-ci et une toile de chez de Blanche-Neige, en fait c'est Grincheux et Simplet. J'ai acheté chez le même vendeur, mais ce vendeur, quand j'y suis allée il n'y a pas longtemps, parce que je regardais mes anciennes commandes de chez AliExpress, et du coup ces vendeurs-là n'existaient plus. Voilà, celui-ci et celui que j'avais fait de la toile Zelda aussi n'existe plus, et c'est trop dommage parce que j'avais trop envie d'en recommander une de chez lui. Parce que les diamants étaient vraiment topissimes sur cette toile, mais vraiment topissimes, quoi. Donc je voulais recommander, mais bon. C'est pas grave, on verra avec celui-ci, mais bon, même celui-ci n'existe plus. Bref. Alors, cette toile, il y a combien de diamants? Du coup, il n'y a même pas marqué combien de diamants. Combien de couleurs? Donc il y a 2, 4, 6... 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33. Ok. J'ai 33 couleurs dans ce DP. Donc je vous ai montré ce que c'était. Et est-ce que j'avais checké ou pas? Non, j'avais checké. Ok. Donc, c'est une 40 par 50, mais bon, hein, voilà. Elle est vraiment bien imprimée en plus de ça. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu. Elle est vraiment très très bien imprimée. Je pense que... Ouais, si j'aurais quand même besoin de la tablette, mais elle est bien imprimée. Franchement, ça va. Donc je voulais voir s'il n'y avait pas de rivière, mais j'ai l'impression que je les avais déjà enlevés en fait.
Ok. Donc celle-ci, je pourrais pas la rouler, donc faudrait... Je fais que tousser, donc je coupe à chaque fois, mais écoutez-moi, c'est tellement chiant, j'en peux plus. Bref, donc celle-ci est en colle double face. Voilà, donc je ne pourrais pas la rouler, donc bon, c'est pas très grave, elle est pas très grande non plus. Voilà, donc on a tous les diamants avec. Je vous ferai une vidéo sur ma préparation de ces toiles-là juste après. Là, je vous présente juste déjà le défi, les toiles que je vais devoir faire pendant mon défi. Mais voilà, donc là, on a tous les diamants. Ils avaient fait... il y avait un diamant, je me rappelle, ouais, qui coulait. Donc, je l'avais mis dedans. Donc, j'espère que celle-ci, j'en aurai du 9 sur 11. Je crois pas que j'en ai dans mon stock. Donc, c'est pour les yeux. Je crois que c'est que pour les yeux du chat de chez Shire. Donc j'espère, il n'y a qu'un œil. Donc j'espère que ça me suffira. Autrement, je vais essayer de voir pour recommander sur AliExpress des diamants, mais ça devrait le faire. Voilà. Alors c'est que des couleurs un peu... Bon, je vous montrerai un peu mieux dans une autre vidéo, mais c'est que des couleurs quand même assez froides. Il n'y a pas de couleurs chaudes. C'est vraiment des couleurs froides. Voilà. Bon, ça va ressembler un peu à ma toile. Ah bah c'est bien ça. Ça c'est bien, j'espère que j'en aurai en plus parce que du coup j'ai dû utiliser ce de mon stock pour la toile Winnie d'ailleurs que j'ai terminée. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Mais je vous montrerai mes DP terminés justement à la fin de tout ça. Je vous montrerai tout. Voilà, mais c'est bien du coup. J'espère que j'en aurai assez dans chaque parce que là je n'ai pas... J'ai arrêté de faire en fait le stock... Le stock de diamants sur mes petites, sur mes toiles, en rond, en carré. En fait, je me dis que s'il en manque, quand je calculerai en fait tout ça là, s'il en manque, je commanderai directement sur AliExpress et voilà. Voilà. Je sais que chez Manui, ça met 2 semaines, 3 semaines max. Je me dis entre temps, c'est bon, c'est nickel. Voilà, voilà. Donc pour cette toile, c'est bon. Donc on a des 33 couleurs sur celle-ci. C'est 40 par 50, mais 40 par 50, mais plutôt une 35 par 45 je dirais. Ensuite là on a 3 petites toiles en diamant rond normalement. Je vais regarder ça, je sais plus. Ah ok, donc là on a une toile partielle donc que j'avais reçue chez le vendeur. Je sais plus c'était qui celui-ci. Je sais plus si c'est New Craft Day ou Everyday E-Craft. Je sais plus. Je crois que c'est New Craft Day. C'est bon. Donc là, c'est une toile avec des diamants. Oula, j'ai fait tomber quelque chose. Ok. Donc là, c'est une toile avec des diamants, des strass en fait. Et du AB. Voilà, donc des diamants spéciaux. Des diamants AB. Des strass. Voilà. Donc celle-ci, il n'y a pas de diamant basique. J'ai pas l'impression. Voilà, c'est que des diamants un peu spéciaux, quoi. Voilà, donc cette toile-ci, je pense qu'elle va pas me prendre trop de temps non plus. Voilà. Donc on a cette toile-ci. Voilà. Du coup, ça fera vraiment partir un peu. Pas mal de choses de mon stock dedans. Donc du coup on a combien de couleurs? On a 15, donc là ça fait déjà 33 et là 15 parce que du coup je vais utiliser qu'une seule valise, donc j'ai celle avec 150 pots là que je vais utiliser pour tout ça. Donc je vais essayer de voir si c'est bon. Normalement là c'est bon déjà. Ok, donc on a ça. Voilà, je mets de côté parce que du coup je vais faire la préparation tout à l'heure. Ensuite, on a donc ça c'était chez Everyday Craft, il me semble. Donc on a 24 couleurs, comme ça va aussi. Voilà, donc celle-ci par contre pour l'automne, mais magnifique quoi. Parce que les couleurs c'est vraiment très orangé, très... Ah bah je vais kiffer.
très orangé, très rouge, orange, marron, chaud. Il y a du rose, du bordeaux et tout. Franchement, du jaune moutarde, du orange moutarde. J'adore. J'adore les couleurs. Donc celle-ci, je pense que je vais me régaler pour la faire. J'aime beaucoup. J'espère que le rendu sera pas mal. Je crois que c'est une 30 par 40. Ouais, c'est une 30 par 40, mais bord inclus. Donc ça fait beaucoup moins. Là, ça fait du 20. Enfin, vous retirez de toute façon 5 cm de chaque côté. Ça fait du 25 par 35 au final. Mais écoutez, j'espère que ça rendra bien en tout cas. Voilà. Donc celle-ci, vraiment magnifique, magnifique. Voilà. Donc je me la mets de côté aussi. On va la préparer tout à l'heure. Et ça, c'est pas mal que ce soit en colle coulée. Comme ça, je pourrais à chaque fois les... pour pas que ça prenne trop de place non plus sur ma table, les réenrouler vite fait, hein, pas trop, enfin, pas grossier, enfin, enrouler grossièrement plutôt. Pas non plus aplatir dessus, mais voilà. Donc ça, c'est pas mal. Du coup, donc là, ça fait déjà deux toiles rondes, une toile carrée. Et donc là, on a la dernière toile ronde. Celle-ci aussi, je crois que je l'ai eu sur Everyday... Non. Je l'ai eu sur laquelle, celle-ci? Si, Everyday Craft, je crois. Voilà. Donc ça, c'est une autre toile en diamant rond. Une 30 par 40, pardon. Bord inclus. Donc c'est une 25 par 35, voilà. Et donc dedans, nous avons 24 couleurs. Donc normalement, ma grosse valisette de 150 devrait passer tranquillement. Voilà, donc celle-ci aussi, elle est pas mal. C'est vrai que c'est pas du tout dans les tons automnales, mais bon, je vais quand même la faire. Voilà, donc on a du... Bon, ça va changer de toute façon un peu de tous. Celle-ci, elle est un peu plus colorée, je trouve, que les autres que je vais faire. Donc c'est plutôt pas mal. Donc il y a du blanc, du bleu, du rose, du rose pâle, rose clair, du bleu clair, bleu foncé, un peu du vert, du jaune. Voilà, donc il y a un peu de tout. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, voilà. Donc tout ça, ça va être les toiles que je vais faire à partir d'aujourd'hui jusqu'au début décembre. Voilà, et donc si je finis une des toiles, je rapatrierai directement celle, la petite en 15-20 aussi, que j'ai à faire. De toute façon, je vous en parlerai. Voilà, donc voici mon défi pour l'automne. Voilà, là, voilà, voilà. Donc avant de rentrer en hiver, normalement, j'aurai déjà retiré 1, 2, 3, 4, éventuellement 5 toiles de mon stock. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. À savoir que j'ai commandé sur Amazon une toile pour... donc une toile en fait, donc ça n'a rien à voir avec ce que j'ai déjà en stock, enfin par rapport à mon écoulement de stock. Là c'est une toile que j'ai envie de faire pour la période là de jusque Halloween. C'est une petite toile en 30 par 40, je pense bord inclus aussi parce que bon c'est sur Amazon, en diamant, alors je crois que c'est en diamant rond parce que je pense pas pouvoir, enfin avoir choisi le... Je pense pas avoir choisi le diamant, donc je pense que c'est en diamant rond, donc ça ira plutôt vite aussi. Et donc c'est une toile Harry Potter que je me suis achetée sur Amazon pour, voilà, pour vraiment la saison de l'automne que je ferai en même temps que je... Enfin, en même temps que je regarde par exemple un film d'Halloween, etc. Je trouve que c'est une bonne ambiance et moi... Moi, l'automne, ça sonne aussi Harry Potter. Enfin, tous les temps un peu froids, moi, ça sonne un peu Harry Potter. Parce que je sais que c'est à cette période que je me refais tous les Harry Potter. Voilà. Par contre, là, je me le garde surtout pour le mois de décembre. Voilà. Donc là, je me garde la saga pour le mois de décembre. Là, je vais me refaire les Halloween qu'il y a sur Disney+. Vous savez, Halloween 1, Halloween 2, Halloween 2, 3, 4, 5. Je crois qu'il y a 5. Avec Marnie... Voilà, voilà, enfin bref. Donc ça, je vais me les refaire pendant que je fais mon petit DP en diamant rond de Harry Potter. Je vous ferai de toute façon un unboxing de cette toile et la préparation également. Voilà, donc si par rapport à la quantité de couleurs, ça rentre dans ma valisette, je la ferai en même temps. Voilà, je ferai la préparation avec vous
pour que ça rentre dans ma valisette aussi, enfin, préparation de la toile. Voilà, voilà. Donc j'espère que ce sera une colle coulée aussi, comme ça je pourrai la replier de temps en temps. Voilà. Donc j'espère que... alors ça me gratte un petit peu. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi vous, si vous faites un écoulement de stock pour 2022, voilà, vous rachetez ensuite plein de toiles, parce que là, moi, ça fait, là, j'ai acheté une toile Harry Potter, mais avant ça, ça faisait très très longtemps que je n'avais pas racheté de toile, parce que quand je vois mon stock, il faut que j'écoule. J'en ai vendu quelques-uns sur Vinted à un prix raisonnable, voilà, on va pas faire comme les autres qui vendent des trucs à 15 balles, enfin non, pas du tout. Et voilà, donc ça c'était vraiment des toiles qui finalement je n'avais pas du tout forcément envie de faire. Voilà, donc voilà, maintenant j'ai vendu tout ce que j'avais à vendre. Maintenant, ben, j'écoule mon petit stock. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous de très très gros bisous de loin. Et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao!